Salut à tous les potes, salut, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour la partie numéro 14 de Kingdom Hearts et non pas la 13, vu que sur la partie numéro 12 qui était la 13, j'ai mis numéro 12. Et donc voilà, vous comprenez un petit peu le quiproquo qui a eu petit problème. Donc voilà, le monde d'Ariel était en fait la partie numéro 13. Donc voilà, le chiffre du malheur, c'est tombé sur Ariel, c'est normal, j'ai pas voulu dire 13. Ça se passe comme ça. Et finalement maintenant on est parti pour la partie numéro 14. Donc ce sera normalement le dernier monde. Je vous verrai un petit peu ce qui va se passer. Comme vous pouvez le voir, un niveau à 7 étoiles. Donc un niveau de type difficile. Et donc on va avancer un petit peu ensemble. On valide et on y va. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous appréciez. Comme vous pouvez le voir, voilà, je me suis un petit peu changé cette fois-ci, vu qu'en fait je fais le jeu en mode full rush. Donc on est tranquille. Ce n'est pas du tout le même jour que sur la partie 13, les gars. En fait là on est sur un autre jour hein. On est vraiment sur un autre jour hein. Non, no joke. Le jeu que là on est vraiment sur un autre jour, on est bien. J'ai pris environ 2-3 jours juste après la partie numéro 13 pour continuer le let's play, parce que voilà, pas que je prenne une pause. Bon, les vrais seront. les vrais savent. Donc pour l'instant voilà, on avance encore une fois dans le monde. Je regarde pour l'instant le chat, hein, toujours hein, le chat, voilà, pour ceux qui ne savent pas. Je stream assez régulièrement sur Eclipsia. Je préfère vraiment de l'espèce sur Eclipsia néanmoins. Mais voilà, pour ceux qui ne le savent pas, allez sur Eclipsia, allez check un petit peu tous les streams. Pour les let's play, en général, je fais ça plus en mode stream perso. Je vous laisse retrouver le lien par vous-même si jamais ça vous intéresse. Je laisserai chercher. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié ça, putain. Le grand bateau qui se rapproche de nous. Le grand bateau pirate. Ah oui, trop bien. Donc, let's go. Ah, j'allais totalement zapper ça. Accrochez-vous. Donc voilà, le bateau pirate qui vient nous agresser. Et let's go. Il y en a qui sont là. Ouais, je ne te croirai plus jamais sur les vidéos. Bah oui, tranquille, c'est normal, c'est normal. On fait des trucs. Et donc Neverland, vous connaissez un petit peu Neverland, bien entendu, le pays imaginaire. Donc on sera pour le pays imaginaire sur un bateau de type stylé. On s'est fait avoir. Je ne pensais pas que tu viendrais, Sora. Riku ? Je suis content de te voir. Où sont Donald et Dingo ? Sont-ils si importants à tes yeux ? Riku, il est trop jaloux. Plus que tes anciens amis. Il est trop ZF, ce gars. Au lieu de t'inquiéter pour eux, tu devrais plutôt te soucier d'elle. Kairi ! Pendant que tu rêvassais, j'ai fini par la retrouver. Car sa tête de mort, là. Ouais, totalement. Vite ! Pas de manigance à bord de mon navire. Ah, lui, il fait le fou, lui. Ah, il fait le fou, je le def. Pourquoi fais-tu équipe avec les sans-cœurs ? Les sans-cœurs m'obéissent à présent, Sora. Je ne crains plus rien du tout. C'est vrai que c'est un petit peu le gars des ténèbres, le gars de la lumière, Sora. Ton cœur. Impossible, mon cœur est trop fort. Riku ! J'ai aussi appris quelques nouveaux tours. Celui-ci, par exemple. Wow ! Tu peux aller retrouver tes amis. Ah ouais, il est vraiment vénère, le petit. Temps d'appareiller. Riku égale Sasuke. Enfin, c'est ça en fait. Riku, il ressemble trop à Sasuke. Et Sora beaucoup à Naruto. Pour le coup, c'est pas faux. Ce morveux s'imagine qu'il peut me donner des ordres. Qu'allons-nous faire, Capitaine Crochet ? Rien du tout. La cale grouille de son rancœur. Ils n'ont qu'à surveiller ces misérables. Mais, Capitaine, vous savez qu'ils se trouvent également là ? Tu as entendu, Mouche ? Ce son effroyable ? Non, capitaine. Tu en es certain ? L'aurais-je imaginé ? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Peter Pan, si vous entendez un petit peu le bruit d'une cloche, ça fait peur au capitaine Crochet. Et si vous ne comprenez pas pourquoi, je vous invite à regarder Peter Pan, qui est un excellent film. Ouais. D'ailleurs, qui est très cool. Je l'ai enfin. Après, il est un petit peu ancien, ça a un petit peu mal vieilli, mais c'est toujours un bon film. Et, bah alors, et donc voilà, en attendant, on regarde. Très bonne idée, mais avant ça, ça vous regardez. Oh, pardon. Le mec il est là, il a revu Kairi, il en peut plus quoi, il bouge plus. Donald il était là en train de se faire écraser comme un vieux putain de canard, un putain de canard là, le pauvre. Il pouvait pas faire grand chose. Qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez la sortie? Hey, poteau Peter! Qui es-tu? Tu vas faire le boss de l'horloge plus tard, oui. Je ferai une vidéo où je ferai les trois boss de fin, les trois boss cachés. 4 boss cachés. D'accord, faites comme vous voulez. Mais toi aussi t'es coincé ici, non?
Non, j'attends quelqu'un, c'est si vous, si, si vous n'avez pas eu Peter Pan, vous avez eu une enfance de merde. Je vois qu'il y en a qui sont là. Où étais-tu passé ? Qui disent les choses très franchement. Clochette, c'est trop cool, Clochette. Beau travail. Alors, la fée Clochette, c'est un de mes persos aussi préférés, même si elle parle pas. Ça doit être pour ça, justement. Une fille qui parle pas, aussi une pas autre mal. Fille. Je rigole. Oh, 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 je rigole, je rigole. On se calme, on se calme tout de suite. C'est Peter Pan, le poteau des galères. Hey, attends, Clochette, ouvre cette porte. Ah, j'ouvre, s'il te plaît. Je suis Peter Pan. Et moi, Sora. D'accord. Wow, oh, le vent direct. Oh, le vent direct. Oh, mec, tu mets un vent, c'est mort. Tu rentres pas dans ma team. Que des numéros 10 dans ma team, mon pote. Voilà, voilà, sauvegarde. Voilà, let's go. On avance. Ah oui. Ah, je peux pas encore planer. Donc ça, elle a quand même ouvert la porte, ça se passe. C'est vrai que les mobs sont... Oh, il y a le Dark Sword. Oh, j'enchaîne. C'est vrai qu'il plane partout, lui. Grave chiant. Oh, il m'a mis des patates, mon pote. Et il m'enlève mes munis, carrément. Il m'enlève ma thune, lui. C'est un voleur. Il est où? Il s'est barré. Il m'enlève ma thune et il se tire. Très bien. Ça, c'est un vrai Sora de l'ombre. Les petits pirates. Voilà, putain. T'as 28 d'XP pour ça. Ah oui, ça va. Il y a un truc en haut, ça les gars. J'ai oublié ça. J'ai oublié totalement de quoi il s'agissait. Donc, du coup, on va un peu clean la zone. Putain, par contre, le coup de grâce, il fait tellement mal. Ouais, bon, on va grimper tranquillement. On va pas faire le dingue. Voilà. Putain, la musique est trop cool. Je ne sais plus du tout comment on peut se retrouver là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça là? Putain. Je ne sais plus. Est-ce qu'il n'y a pas des caisses quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas des caisses quelque part? C'est que là, si je monte en haut, c'est la fin de l'histoire. Cette map-là, je ne peux pas rentrer encore une fois le trio. Celle-ci, je peux rentrer. On me voit quelques objets. Après, on peut aller dans la soupe. Voilà. Il faut que j'arrive à le défoncer. Allez, 150. Boum. Si, merde, 150. Ah oui, je peux faire carré maintenant. Quand j'arrête de bouger et que je fais carré. Ah oui, je la parade, c'est tellement bien. C'est le meilleur truc du jeu. Pour les meilleurs replays du game, c'est le best. Calme-toi, toi. Espèce de mort là. Voilà, on va aller dans la soupe. Voilà, on descend. On va taper le Dark Sora. Voilà, c'est bon. Les petits 150 trucs d'XP à chaque fois qu'on arrive à le défoncer, c'est grave bien. Regardez, je peux faire une petite parade. En fait, le combo parade plus contre, c'est trop bien. Parce qu'à chaque parade, non, vous pouvez ensuite répondre par une attaque instante. Regardez, si j'arrive, par exemple, là, ok. Par exemple, là, je vais faire une parade. Imaginons, ok, si j'arrive, ok, j'arrive pas. Bref, si j'arrive à faire une parade, allez, ok, vas-y, tape-moi là, allez maintenant. Mais non, mais par contre, arrêtez de taper. Vas-y. Allez, lui. Bon, j'arrive pas à faire de parade. Ok, bon, il me tape pas aussi, putain. Allez, tape-moi, toi. Il tape pas. Ok, donc j'ai raté un petit peu. Mais en gros, vous m'avez compris, ok. Enfin, j'espère. Voilà, voilà. Oh putain, mais quelle grosse merde que je suis. En fait, il est trop long, son auto. Je suis une merde. Mec, je me fais bolos par lui. Il est où? Toujours à voir, attends, attends. Non, arrêtez de le taper, s'il vous plaît. Ok, là j'ai attendu trop longtemps. Il m'a pas tapé, putain mais. Vas-y, 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 c'est bon. Voilà, vous pouvez faire ça en gros. C'est ce que vous venez de voir. J'ai galéré un peu, voilà, le contre instant. J'ai accepté un poil long, mais en gros quand vous faites un contre, c'est vraiment pas mal parce que ça peut vous permettre contre les boss de les outplay un petit peu. Après les boss humains, voilà, les boss prévisibles, les boss qui font pas des sorts de bâtards, qui font pas ce genre de trucs chelous.
à les meilleures parades, hein, vraiment l'un des meilleurs joueurs de Kingdom Hearts existant encore aujourd'hui. Voilà, le contre est bon. Oh, il m'a tellement essayé. J'ai bien compris. Ok, bon, par contre, faudrait que tu me tapes. Je vais pas me taper à chaque fois, putain. Du coup, je suis obligé de leur mettre des comptes de mort. Et où le monde ? Voilà. On clean un petit peu le tout. Là-bas, j'ai pas été là, je crois. Là, c'est une porte que je n'ai pas prise. Hein. Je ne crois pas que ce soit là que je sois rentré. Si c'est là que je suis rentré, ok, très bien. Donc je vais prendre une autre. Donc, je vais prendre l'autre échelle alors. Ok, c'est du côté. Alors, voilà. Let's go, montons. Voilà, c'est donc là qu'on devait aller. On est bel et bien d'accord sur ça. Comment ça se fait que tu peux voler ? Tout le monde peut voler. Vous voulez essayer ? Allez, fais-moi voler, fais-moi voler, fais-moi voler. Allez, 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 s'il te plaît, s'il te plaît. C'est trop bien de voler. Il date de quand ce jeu à peu près ? De 2002 environ. Je crois qu'il fait 2000. Je suis pas sûr pour 2002, mais juste dans ces eaux-là. De poussière de fée. Voilà. Maintenant, vous pouvez voler. T'es un canard, mec. La gamine fait clochette. Elle saute sa gueule. Allez, est-ce que nous pouvons voler ? Comment ? Wendy ne ferait pas partie des élus ? Mais Wendy, c'est pas une princesse. Elles sont sept. Une princesse, pas de princesse. Et Maléfique dit qu'elle n'est pas l'une d'entre elles. Jetez l'ancre dès que possible. Laissez tout le lest derrière nous, elle y compris. Après tout le mal qu'on a eu à la capturer ? Et pourquoi ces sept-là ? Que peut bien comploter Maléfique ? Ah, Maléfique, c'est... Qui sait ? C'est la meilleure. Du moment que je retrouve le cœur de Kairi, ça m'est égal. Bah, tu perds ton temps. Les sangs au cœur ont dévoré le cœur de cette fille. Je parie ma main qu'il est perdu. Fais pas le dingue, toi. Fais pas le fou. Riku, il va la défoncer. Je le trouverai. Il va le défoncer. Capitaine. Quoi ? Les prisonniers se sont échappés. Et en plus, Peter Pan est avec eux. Avec sa voix de mort, lui, là. C'est le sous-fifre. Dans ce cas, très bien. Conduis l'otage dans ma cabine, mouche. Dépêche-toi. Allez. Y a-t-il clochette ? Wendy à côté. Peter Pan ? Wendy ! Dépêche-toi. Les pirates arrivent. Quoi ? Tiens bon, j'arrive tout de suite. Wendy ? Oui. Est-ce qu'il y a une autre fille avec toi ? Oh, ma foi, oui. Oh, Kairi ! Apparemment, elle dort. Elle n'a pas bougé d'un pouce. Ah, Kairi, elle est... Kairi ? Elle est morte. Kairi ! Trop triste, Kairi. Oh. Oula. Ah d'accord, très bien. Hey, venez, montons. Allez, va falloir monter les potes. Avant, j'ouvre les coffres. Bloc dissipation. Quoi ? Ah, j'ai plus de place pour les blocs. Ah, de toute façon, les blocs, on s'en bat les couilles. C'est pas grave. Pour les blocs, it's ok. Pourquoi je peux pas planer là tout à l'heure, je pouvais. Enfin non, il m'a pas donné. Ah non, c'est après. C'est après, c'est après. Donc là, ok, là-bas. Et rien. Okay, j'ai plus de place pour ce bloc de mort. Ouais, je fais un petit tour, hein, pour le coup, comme tu peux voir. Ah non. Ah, l'ombre, l'ombre, l'ombre. Pourquoi j'ai pas tapé l'ombre? Si j'arrive à lui mettre assez de dégâts, un petit bonus 150 d'XP, ça nous a mis super bien. Là j'ai pas encore le trio. Et un petit moment en bas, on s'en bat les couilles. Donc on va monter. Plan mondial. Non, je vais pas prendre la porte, je vais lui monter. Ah c'est pas grave. Le petit 150 XP qui peut nous mettre super bien. Par contre c'est pas qu'il me tape avant. Parce que s'il me tape avant, c'est lui qui me prend de la thune. Voilà.
une méga potion à foison, mon pote. Il met super bien. Allez, putain. Par contre, ça donne grave de l'XP. C'est genre grave bien ça. Ce monde pour XP, c'est grave bien. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh! What the fuck? J'avais déjà fait ça. Ah non, c'est vrai que la porte est ouverte, putain. Il faut passer par le truc. Ah oui, putain. Bien vu, Liaran, bien vu. Ok, là-haut, là-bas. En effet. Je peux rentrer dans une des deux. Je vais rentrer celle à droite. Comme ça, point de sauvegarde direct. Voilà, et boum. Je vois Chloé qui est sur le stream, ça fait plaisir. Oh, une marque trio, pas bien. J'ai cette couleur de marque trio. Ah oui, les jaunes, j'ai. Mais il y avait deux trous. C'est-à-dire que là, je suis allé dans. Je vais pas aller dans celle-ci. Je vais voir dans l'autre. Il y a quoi dans l'autre? Oh merde. Il y a beaucoup de portes en fait. Oh, je peux monter encore là? Non. Ok. Donc je vais voir. Non, merde, c'est celle-ci. Attends, non, voilà. Je vais redescendre là. On redescend là. Et là, je suis où là? Là, je suis là où j'étais tout à l'heure, on est bien d'accord. Oui. Donc je vais remonter par le trou de droite, je vais essayer de monter par le trou de gauche cette fois-ci. Voilà. Ok, très bien. Waouh! Oh, le mytho, mon gars! Je viens d'en bas, ah je viens de là en fait, ah non très bien. J'étais en mode, ah oui je suis un truc chelou. Et j'étais en mode, bah qu'est-ce qui se passe? Je pensais être dans la salle juste à droite. Fuck. En fait je pensais être dans la troupe, tu vois, genre dans la salle juste à côté. En fait non, c'est juste pas du tout la même salle. Je juste arrive à l'entrée, c'est terminé. Riku, attends. Et ben ce gamin il part dans les ténèbres là. Eh fais pas le fou toi, j'étais déjà death pendant 10 minutes là. Tu n'es qu'un double de moi mon ami. Que vas-tu faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, j'avoue t'es chaud. Oh petit compte. Allez boum. Plus 39 d'XP, voilà c'est comme ça qu'on sert. C'est comme ça qu'on sert des comptes de mort. Oh putain par contre il est vraiment là. Oh, il a tapé à côté aussi. Comment tu veux mispé comme ça? Qu'est-ce que je fasse comme place? Oh là 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 là, le plus de 39 d'XP. Ça le met super bien. Oh, par contre. Non. J'ai fait un poil trop tard. Oh putain! Oh les dégâts! Oh, oh putain les dégâts du mec! Vas-y, j'ai contré ça! Il est trop vénère de ouf, hein. Ah, trop tôt. Maintenant. Oh, il est vraiment trop énervant. Ok, là j'ai au clash, je faisais le coup avec lui, mon pote. Ah, plus 39, grâce à un petit compte. Voilà. Voilà. Oula, qu'est-ce qui se passe, mon pote? Pourquoi t'es doublé? Il a fait un Kagebunshin, le poteau. Quoi? Mais il y en a trois maintenant. Merde. C'est pas un sort très nécessaire. C'est lequel le bon? Allez, là j'ai grave bien fait. Enfin, ça fait des plus 39 tout à l'heure en fait. Voilà, des petits bonus XP. C'est gratuit, on les prend. Oh nice. J'avais contré celui-ci. Non! Putain. Ah, c'est celui-ci! Oh putain! Allez, petit contre. Allez! Il marche devant moi! Je respecte moi maintenant et meurs! Voilà, boum! Oh!
Je vais tenir un petit brasier. Et boum! Voilà le brasier qui se termine. Le petit HP Max, il nous a mis super bien. Ah, masse XP de plus quand même. Hein. Ça nous a mis pas mal. Bah alors, tu vas faire quoi? Tu n'es qu'une ombre de moi. Griffe de corbeau. Pas mal. Ok. Griffe de corbeau. Là, petit objet. On va voir si c'est mieux que notre truc ou pas. Défense. Ah oui. Ah oui. Défense plus 2. Et je perds pas d'attaque. Oh, j'ai un truc à 34 là. Il est où? Ouais, allez. Oh, faut que j'active une compétence. On va désactiver un combo. Allez. Juste pour avoir de l'attaque. Hein. Moi, je suis un gros bourrin. C'est sur ce jeu, je suis le pire. Donc, on va activer un combo de base. Pour la même logique que sur les dernières vidéos. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à les regarder. Ah ouais. Ah, mais trop de PV en moins pour lui. C'est chaud. C'est hardcore ces PV de mort, lui. Ouais, les MP, il en a besoin maintenant. Regarde, on se stuff, bien entendu. Plus d'attaque, non. Lui, il faut de la défense. Moi, d'un coup, je veux juste qu'il tanque. Je m'en bats les couilles du reste. Ouais, mais 3 PV de monde pour un d'armure, c'est pas worse. Donc, non. Ok. Intéressant, intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dans cette salle? Il y a un petit coffre. Les Dalmatiens! Ouais. Comment? Comment là se fait-il que je ne puisse sortir? Ah! Une petite marque là. Ah! Intéressant. Allez, putain! Wendy! Laisse-moi, Clochette, pas maintenant! Vas-y, arrête de faire ta jalouse là. La fée Clochette, elle est pas parfaite juste pour ça. Beaucoup trop jalouse. Je reste avec Wendy. Après, pour le coup, elle a raison. Parce que Wendy. Voilà, il. Peter Pan avait un petit peu envie de la pécho, tu vois. Ça sent, ça se voit. Oh, coller Carapace X. Ça, ça va aller très vite sur lui, ça. Oh, 3 PV en moins, putain. Attends. Pas mal. 3 PV en plus de l'armure, non, pas ouf. Là, sauvegardons. Voilà. Et on y va. Faut que j'aille où là? D'abord que là je ne sais pas du tout où je vais aller. Par contre les magies de Donald elles sont vraiment zéro. Ah, il est vraiment vénère hein, mec. Je dois monter quelque part là. Je pense que je dois monter quelque part. C'est quoi ça? Ah non, c'est de là d'où je viens. C'est exactement de là d'où je viens. Où dois-je aller déjà? Cette salle. On va tenter, on rentre dans la salle. On va monter et on va continuer à monter. Pas du tout là, je l'ai. Je suis redescendu juste tout à l'heure, ici, pour me retrouver exactement au même endroit. Sacré connard. Ah mais non, je sais, c'est peut-être là qu'il faut aller quand même, juste pour ressortir après. Fallait peut-être débloquer, enfin, sauver Wendy, pour ensuite pouvoir repartir. Ouais, c'est quasiment sûr, allez. Si c'est ça, ça va. Si c'est ça, je fais un trop un sacré connard. Allez, boum, voilà, c'est bon, vous êtes tous morts. Et voilà, c'était bel et bien ça. Quel malheur. Je suis grave chaud. Il s'est enfui avec la fille sans même dire au revoir. Où est-il passé? Dites-le moi, où est-il allé? Ah là, il est vraiment vénère, là, ce soir. De la forteresse oubliée, là où maléfique règne. Mais vous n'irez jamais là-bas. Comment ça? Comment ça, on n'ira jamais là-bas? Quoi? Non, Clochette! À moins que vous n'ayez l'intention d'abandonner votre petit... Putain, Peter Pan, il a laissé comme un bâtard, là. Clochette, elle s'est fait capturer. Qu'est-ce qu'il arrive, là? Remets-moi la Keyblade. Qu'est-ce que tu fais là? Non, non, c'est mort. Arrête de faire le ouf. Je suis un homme clément, contrairement au sang-cœur. Alors,
Qu'est-ce que ce sera? La Keyblade ou la planche? Ah, le petit vol. C'est le crocodile qui m'a pris ma main. Oh mouche, il en a abarré mon autre main. Le crocodile est trop cool en plus. C'est là. Va-t'en. Oh, ça fut horrible. Mouche, occupe-toi d'eux. Ah mais mec, tu vas voir. Le joueur saura qui se laisse faire. Vol Sora. Il suffit d'y croire et tu pourras le faire. Quand même, il tente les choses, hein, alors que bon, très honnêtement, je l'aurais pas fait. Genre le gars, moi je saute, tu vois, t'as juste ta clé, tu les défonces et tu fais pas le dingue, tu vois. Et finalement, non, le coco, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Et voilà, Peter Pan qui revient comme aider la fée, hein, et c'est pas un bâtard. Merci Peter. Oh, y a pas de quoi. Tu croyais pas que j'allais vous laisser tomber, Clochette et toi? Allez, maintenant vous faites les fous. Avec vos petites épées. Oh, c'est en plus, nice. Ça c'est trop bien. Oh, ça c'est trop bien. Non, par contre Peter, toujours pas. Hein. Ok. Ok, c'est bon. Hop là, on peut voler, on peut voler. Fou. C'est trop cool. Ça c'est trop bien par contre. Attends, il y a un coffre là-bas. Attends, je vais tuer les mobs d'abord. Ensuite, on prendra les coffres. Ça c'est trop bien. C'est pour ça que c'est aussi l'un de mes mondes préférés. Après, il y a le pays imaginaire, voilà. Toujours le fait de voler. La sensation de voler qui est incroyable. Mais moi le préféré sinon c'était Jack que vous avez pu voir tout à l'heure. Enfin tout à l'heure. Je sais pas si vous êtes en train de l'arrêter sur le tube, du coup ça ressortira environ avec 2-3 semaines de décalage environ. Enfin 2-3 semaines, j'abuse un petit peu. Peut-être ouais une ou deux semaines j'irai de décalage entre tout ce qui est Jack et Peter Pan, je pense. Oh des mobs qui volent, nice. Attends, voilà. Voilà, hop là. Allez, ils sont où les prochains mobs? Oh, un bateau. J'ai d'abord téléphoné, c'est quoi? Non, les objets, c'est trop relou par contre. Les objets, quand ils vont dans l'eau, ils sont perdus à jamais. Donc je suis un petit peu déçu, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas l'attraction sur Sora. Enfin, que je devrais avoir l'attraction sur Sora. L'attraction qui vous permet d'avoir les objets plus facilement, sachant qu'ils sont attirés vers vous. C'est beaucoup plus facile les avoir. Voilà. On te casse un petit peu tout, toi, en pote. On te casse tout. Les ailes. Et c'est terminé. Les ailes, enfin. Le mât, etc. Tout ça. Et c'est bon. Pas tout à l'heure, il y a 3-4 jours. Hein. Ah, d'accord. Exactement, hein. Il y a 3-4 jours, j'ai fait cette petite, cette petite scène. Hein, donc, la petite session à Jack. Et donc, voilà. Hein. Est-ce que c'est toi, Mouche? Tu t'es débarrassé d'eux? Peter Pan est trop drôle. Oui, capitaine. Je les ai tous fait passer par-dessus bord. Un capitaine Crochet, le pire. Peter Pan, Molissati. T'es prêt à plonger, vieux poisson pourri? C'est à ton tour de passer par-dessus bord. Allez, le croco. Mets-nous bien. Attends, je vais péter quand même les petits. Oh putain. Oh ça lui vole lui. Oh bah non, tu voles pas toi. Oublie tout de suite que tu peux voler. Oh putain, oh ça fait mal. J'avais pas vu ma vie. Oh par contre, sans plus ça, ce que ça donne. Oh en termes de PV mon pote. Ça fait bien. Regarde sa gueule de mort là. J'ai pas besoin de voler contre lui. Oh, rapide. On voit que c'est... Allez, fais un petit Aquilon. Ça va, ça fait mal quand même. Voilà, petit counter. On tape direct après. Regarde sa gueule, regarde sa tête quand il se fight. Il est en mode, oh non, qu'est-ce qui se passe?
N'empêche, il est chaud, hein. Genre, no joke, il aurait dû se battre avec ses, poteaux. Ah, j'ai pas le temps de faire là. Un combo. Allez, on passe sur la dernière barre de vie. On va le faire tomber par-dessus le bord. Voilà, par contre, là, faut faire chaud. Faut faire gaffe. On vénère, hein. Oh, il est fatigué là, il est épuisé là, il a tout bougé. Waouh! Donald est grave chanceux, pas. Il rigole pas. Allez, allez, allez. Attends, je crois qu'il y a un truc qui vole. Ça me donne l'esprit, ça. Attends. Enfin, je vais d'abord faire le truc, ça me donne un petit peu d'esprit supplémentaire. Sachant que ça en donne beaucoup et que c'est vraiment nul à chier comme mob. Jusqu'à mort, j'aurais eu l'air bien rigide. Il m'aurait défoncé, j'aurais eu l'air bien zèle. Allez, brasier. Toujours le petit brasier pour terminer. 3400 d'XP il m'a donné quand même. Hein. C'est quand même assez énorme. Et boum, on l'a baisé. Ah. Oh là là, allez, allez, pars. Je cours très vite maintenant. Putain, je vais me faire un petit cookie. Toujours, hein. Voilà la petite pub pour les cookies Smarties. Ah, j'ai appris. Oh, Arcane, c'est trop bien. Arcane, c'est trop bien. Kairine s'est pas réveillée. Peut-être qu'elle a vraiment perdu son. Sora. Alors ça, j'y crois pas. J'ai vraiment volé. Faut que je raconte ça à Kairi. Je me demande. J'ai pas de voir, genre qu'elle était dans un état de mort là. Tu pourras la ramener au pays imaginaire. Comme ça, elle pourra essayer. Pour réussir, il suffit d'y croire, c'est ça. Je trouverai Kairi. Je sais que j'y arriverai. Voilà, cette musique elle est trop belle. J'ai tant de choses à lui raconter. Comment voler, les pirates et tout ce qui nous est arrivé. Ouais, c'est trop beau quand même. Moi j'adore. Moi des fois ça se passe, des fois, des soirs. J'écoute les soundtracks de Kingdom Hearts. C'est mort. J'y vais pas maintenant. J'y vais pas maintenant. Il va me baiser. J'ai un truc de ouf. Non, ah non, c'est pas maintenant. Ah ça va. Oh, j'ai tellement peur. C'est pas des cookies aux Smarties, les Smarties aux cookies. Pas faux. Regardez, là c'est trop cool. Là c'est trop cool. Là je suis en train de voler dans Londres, les potes. Devant le Big Ben. Est-ce que vous vous en rendez compte? Oh, c'est trop bien. Petit sentiment de joie. Hein. Wouhou! Putain, je suis Superman. Tiens, c'est trop bien. Bref. Bref, regardons, où est-ce qu'il y a les coffres? Putain, c'est trop cool, putain, je vole! Est-ce que vous vous rendez compte? Bah, envoie-la-moi sur Twitter si tu veux la petite vidéo. Ça c'est grave cool. Et finalement, la serrure se trouve dans le Big Ben. Étonnant. Entre 2 et 3 heures. Le 2.5, le 5 décembre, les bros. Oui, c'est pour ça que je finis le let's play avant le 5 décembre, pardon.
Bah là oui, on l'a quitté. Et Riku, il fait le bâtard là. Enfin après, pour le coup, l'aventure qu'il vit, ça se passe quoi. La nuit, la pluie des météorites. La serrure, c'est donc ça. C'était imprudent de l'amener ici sans utiliser un vaisseau. N'oublie pas, s'en remettre entièrement aux puissances obscures pourrait te coûter ton cœur. J'avoue qu'il est venu en mode gros schlag. Et il est arrivé comme ça. Une âme perdue. Bien que son monde ait disparu, son cœur a survécu. Quand nous avons enlevé la princesse de son monde, il l'a suivi jusqu'ici grâce à la force de sa volonté. Mais ne crains rien. Il ne te fera aucun mal. Ouais. Tu verras. Il n'est pas de taille face à ton pouvoir. Ah bah putain. Mon pouvoir ? Oui. La femme connaît pas quoi. La force inexploitée qui est en toi. À présent, mon enfant, ça me le dos. Éveille cette puissance et révèle ton vrai pouvoir. Ça, la meuf, elle fait trop peur elle. Bon là par contre là les ténèbres ils sont réels quoi. Peter, vas-tu vraiment retourner au pays imaginaire ? Bien sûr. Hélas oui, mais on pourra se revoir. Tant que tu n'oublieras pas le pays imaginaire. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Putain, Donald, tu niques les bails là. Oh non, on dirait qu'elle s'est encore vexée. Rends-moi un service. Prends soin d'elle, d'accord? Allez, il nous donne sa fée clochette. Hein? Moi, je veux bien, moi, avoir la fée clochette avec moi, comme ça je peux voler. Arbre féerique, ok, j'ai gagné une petite arme. Et voilà, ça les potes, vous allez voir, c'est trop bien. Je vais pouvoir, bon, je vais pas pouvoir voler tout le temps, mais je vais pouvoir planer. Donc ça c'est pas mal. Donc, j'ai zéro ça. Je crois que cette épée est pas dégueu de moi. Arbre féerique, voilà. Un petit peu plus, est-ce qu'il y a un truc qui donne de l'AD là? Moi je regarde que l'attaque hein. Ok, 36 ici. 36 et 3 de PV. Ouais, 36 et 3 de PV. Est-ce qu'il y a des stats supplémentaires sur ce truc? Un petit peu de PC, ça me permet d'avoir le combo. Donc on va mettre le combo. Comme d'hab, comme ça on peut vraiment tout apprendre. Ah non, j'ai pas arcane, putain. J'ai enlevé Aquilon. J'ai enlevé. Ouais, putain. J'ai enlevé un combo finalement. Et je vais prendre arcane. Donc c'est à peu près pareil que l'Aquilon mais en plus fort. Donc c'est plutôt cool. Attends. Oui, tu n'oublies pas, it's ok, blablabla. Bla, ouais. C'est cool. Non, on peut sauvegarder, on peut prendre le vaisseau, c'est pas mal. On va commencer à prendre le vaisseau. Je vais voir un truc moi juste dans ce truc, dans ce monde, je veux juste voir quelque chose. Il faut retourner à Traverse. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, il paraît qu'il y a des tournois au Colisée de l'Olympe, encore une fois, et que le vainqueur remporte un superbe prix. Donc voilà, ça va encore une fois être un petit épisode sur la partie numéro 15, ce sera un petit peu d'épisode hors, un petit peu hors histoire, ce sera un petit épisode fun, on fera un petit peu le tout. Donc je vais voir un truc moi dans la cabine, c'est la cale je crois, que c'est la cale. Ah, c'est la cale, je crois que je peux pas encore. Ah si, c'est là. Oh oui, vous allez voir, oh je vous montre un truc les gars, oh je vous montre un truc, ça va être beau. Sauvegarde avant. Attends. Oh, il me faut Peter Pan avec moi, c'est vrai, putain. Perso de mort là.
va être fabuleux. Voilà. Vu que cette partie a été assez rapide par rapport à Ariel, on va avancer ça. Allons-y. Et donc je sais pas si il y aura ce que j'attends ou pas, mais s'il y est, ça va être fun. Oh non, il y a pas, putain, j'ai le seum. J'ai le seum. Bon, bref, je vous montrerai ça lorsque vous le voudriez. Mais bon, pour le coup, je n'aurais pas pu. Je n'aurais pas pu le faire. Et pour tous ceux qui connaissent le jeu, vous savez de quoi je parle. Pour tous ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, bah... oui, vous ne voyez pas de quoi je parle, mais bon, c'est pas très grave. En attendant, j'espère en tout cas que vous avez quand même apprécié cette petite session sur Kingdom Hearts. C'était donc la partie numéro 14 de Kingdom Hearts. On a réussi à faire Neverland, donc voilà, le pays imaginaire, assez rapidement quand même. C'était assez cool. J'espère que c'est vous aussi de votre côté, c'était cool. On a envoyé le capitaine Crochet à l'eau, et donc c'était sympa. Donc, merci à vous tous en tout cas d'avoir regardé. Si vous étiez sur YouTube, n'oubliez pas les pouces verts et les commentaires. Si vous étiez sur live, bah, merci à vous. Et pour tous ceux sur YouTube, je vous invite à cliquer sur ma tête pour vous abonner, à cliquer sur le petit carré blanc pour regarder une autre vidéo et sur mes réseaux sociaux pour me rejoindre sur Facebook, sur Twitter. Sur ce, je vous fais le gros bisou et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye!